Bonjour, monsieur Gilbert Kongolo. Comment ça va? Ah, bonjour, monsieur Germain Kaindo, Contact Pro Live. Oui, exactement. Nous sommes dans vos bureaux aujourd'hui où nous venons vous rencontrer pour nous expliquer. Nous avions vu la fois passée à vous donner des messages que vous avez une entreprise ici. Nous avons finalement décidé de nous-mêmes venir vous voir et venir voir ce que vous faites ici au cœur de Santon. Présentez-nous un peu votre entreprise. Nous voyons déjà dans le board ici, c'est Convenient Speed Service, CSS. Let's ask you for you. Ouais. Parlez-nous un peu de ce que vous faites ici à Santon. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, grand journaliste. Parce qu'ici en Afrique du Sud, si vous ne passez pas par Germain Kaindo, vous n'êtes pas arrivé. En tout cas, bon, comme vous pouvez voir notre motto, let us queue for you. Qu'est-ce qui veut dire en français? Nous allons nous aligner pour vous épargner les temps, vous épargner les tracasseries. Nous, on peut s'aligner pour vous. Vous savez, ici en Afrique du Sud, tout se passe par queue. Donc, vous devez vous aligner. Alors, les Congolais n'ont pas ce temps-là. Vu ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de travail à faire. Le travail ici, c'est vous quittez la maison à 6h, vous arrivez au travail, vous quittez à 18h pour rentrer à la maison vers 20h. Les Congolais n'ont pas le temps. Alors, je me suis assis. Vous savez, je suis enseignant dans ce pays. J'enseigne. Et je me suis dit, bon, il y a le besoin dans la communauté. Pourquoi ne pas investir aussi pour aider la communauté en tant que leader d'opinion, aussi influenceur dans la communauté. Vous trouverez, par exemple, un Congolais qui a besoin d'un document. Ça peut être à notre ambassade, aux ambassades des États-Unis, parce que Convenient Speed Services travaille beaucoup avec les ambassades. Okay. Pas seulement l'ambassade congolaise. Okay. Plusieurs ambassades. Les gens n'ont pas le temps d'aller là-bas, s'asseoir, attendre les longues queues. Convenient Services va queue for you. Ça veut dire que vous nous contactez, par exemple, vous avez besoin de birth certificate, vous avez besoin de permis de conduire, vous avez besoin, par exemple, de papiers consulaires, donc on peut dire tous les documents consulaires, retrait de passeport à l'ambassade, le tenant lié, les cartes consulaires. Pour le moment, notre ambassade n'a pas de consulat. Quelqu'un peut quitter Durban pour venir ici à Johannesburg pour chercher un document de 300 rand. Et il va dépenser plus de 2000 rand. Quelqu'un peut quitter Cape Town pour venir chercher le birth certificate de son enfant. Et donc là, vous faites ce travail-là. Nous, si vous contactez Convenient Speed Services, vous nous donnez les éléments dont on a besoin. On part, on submit pour vous à l'ambassade. L'ambassade délivre les documents. Et puis, nous venons, nous vous donnons les documents. Vous nous payez notre service. Donc, nous sommes Convenient Speed Services. C'est une entreprise de facilitation et de delivery. Je ne sais pas, délivrer en français, c'est délivrer. Voilà. Le livreur. Oui. Donc, nous facilitons ça. Il y a aussi certaines... parce que nous sommes dans la facilitation. Les Congolais qui veulent acheter en Afrique du Sud, ils veulent acheter leur maison. Okay. Au lieu de tomber entre les mains des Zimbabwéens, de certains Blancs qui peuvent vous escroquer, on a vu beaucoup de gens venir du Congo pour acheter une maison ici. Un Blanc, vous le trouvez là-bas, il s'assoit, vous venez, vous ne parlez pas l'anglais, le commissionnaire vous montre que c'est le propriétaire. Et après ça, vous versez l'argent. Quand vous revenez après, vous trouvez un autre Blanc. Donc, on a fait beaucoup de nos frères les aventures ici. Convenient Speed Services a dit que let us queue for you. Nous pouvons faire le travail pour vous. On nous connaît, nous sommes accrédités. L'entreprise est enregistrée ici en Afrique du Sud. Nous payons les taxes. Donc, nous faisons ce travail-là. Nous achetons les maisons pour les Congolais ici. Nous vendons les maisons aux Congolais. Nous gérons leurs mêmes bâtiments ici. Et puis, nous donnons les services de cleaning, les services de... Donc, si nous pouvons dire que c'est avec observation, lorsque vous aviez observé comment les Congolais sont en train de souffrir dans les histoires des documents ou bien dans les histoires des intermédiaires, que cette idée vous est venue. Mais comment maintenant est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que les gens vous comprennent facilement? Est-ce que ça roule quand même? Je vois ce bureau ici pour l'occuper, c'est-à-dire que ça fleurit au milieu de 100 hommes. Non, nous sommes en train de nous sacrifier pour donner un service impeccable. Parce que nous ne traitons pas seulement avec les Congolais. Oh. Il y a le blanc sud-africain qui veulent investir au Congo. Je vais vous envoyer quelques images. Ils étaient ici, on a parlé avec eux. Le chef a dit que la diaspora doit amener les investisseurs au pays. Alors, nous sommes en train de faire aussi ce travail-là. Je ne travaille pas seul. Je collabore avec... J'ai mes collaborateurs et j'ai aussi le Sud-Africain qui nous contacte et qui collabore avec nous. Donc, tout Congolais qui vient en Afrique du Sud,
vous venez pour les soins médicaux, on peut arranger pour vous. Il y a les docteurs qui nous travaillent avec. Mmh. Vous voulez enregistrer votre enfant pour étudier ici en Afrique du Sud. Mmh. Ne vous en faites pas, contactez-nous. Nous allons vous faciliter. Les étudiants congolais qui veulent aller en Europe, aux États-Unis, oui, surtout États-Unis et Canada, mmh, à partir même du pays, nous facilitons tout ça. On a envoyé déjà plus de 100 Congolais, étudiants congolais, ah, y compris ma fille aussi, vous la connaissez très bien. Oui. Elle est maintenant à Chicago. Okay. Et puis, nous facilitons ces histoires-là. C'est ce que nous pouvons amener chez les Congolais. La difficulté que nous avons est que les Congolais, dans sa mentalité, ils croient que tout ce qui est congolais doit être free. C'est quand ils partent dans les agences des blancs qui sont même, qui viennent même, qui nous amènent même certains dossiers. Okay. Alors, c'est quand ils partent dans les entreprises des blancs, là où ils... Les gens qui vous connaissent, ils disent que non, c'est Gilbert qui peut faire ça. Il prend ces histoires-là et puis vous amène vous pour faire. Eh, parce qu'ils ne comprennent pas, certains ne comprennent pas comment ça marche chez nous. Alors, c'est comme ça. Les Congolais ont des difficultés à supporter, à consommer ce qui est congolais. Okay. Ils préfèrent consommer ce qui est étranger. Mm-hmm. Mais consommer Congo, c'est investir dans la communauté. Okay. Parce que quand il y a des difficultés dans la communauté, on nous contacte et nous participons. Et donc, là, je vous ai vu de va-et-vient. Nous nous croisons souvent à l'ambassade. Est-ce que l'ambassade... Quelles sont vos relations vraiment avec l'ambassade de la RDC particulièrement et avec les autres ambassades? On peut vous contacter pour un visa du Nigeria, par exemple. On peut vous contacter pour un visa de la Tanzanie. Ce sont une question qui me vient à l'esprit comme ça. Ah ouais, je ne travaille pas seulement avec l'ambassade de la RDC. Quand vous me voyez des fois à l'ambassade de la RDC, c'est pour les documents des Congolais. Les Congolais qui cherchent les documents de l'ambassade. Okay. Ne soyez pas surpris quand vous me verrez à l'ambassade du Nigeria, à l'ambassade du Cameroun, de Côte d'Ivoire, surtout les ambassades africaines. Okay. Nous facilitons tous les Africains, surtout les francophones, mm, qui ont un problème de langage. Le problème, ce qu'on appelle language barrier. Ceux qui ont le barrière dans le langage. Mm. Conference Speed Services est là pour vous faciliter. Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus? Comment on vous contacte et comment vous faites jusqu'à la livraison, par exemple, des documents? Si quelqu'un, si j'ai besoin, par exemple, d'un visa de la Tanzanie. Non, vous venez, il y a Opening File, un fils, moi, Mbongomke, pour ouvrir des dossiers, c'est 500 rand. Vous remplissez la fiche et ça veut dire que vous vous engagez pour que nous puissions faire les demandes pour vous. On vous amène le formulaire. Quels sont les requirements? Je ne sais pas, excusez-moi, ça fait longtemps que je suis dans le monde anglophone. Les requirements, c'est les exigences. Okay. Quelles sont les exigences pour que quelqu'un puisse avoir visa de la Tanzanie? Nous faisons aussi le visa des groupes. Par exemple, une équipe veut voyager, les conférenciers. Et nous vous donnons ce qu'il faut comme information. Si vous êtes prêt, on vous dit que les visas vont coûter autant. Et les services que nous allons vous rendre vont coûter autant. Okay. Le timing, ça dépend le timing que l'ambassade donne. Comme chez nous, en RDC, on donne souvent 72 heures. Okay. Et nous, pour le visa. Pour nous, l'agence, on peut vous donner, par exemple, le double de ça, ou bien one and a half. On donne 3 jours. Nous, on peut vous donner 4 jours. Okay. Les choses comme ça. Le temps pour que vous puissiez... Voilà, composer le dossier, va et vient, tout ça. Okay. L'ambassade peut être aussi busy, et tout ça. Mais les gens comprennent facilement. Parce que si vous allez vous-même à l'ambassade, vous risquez d'y passer même toute la journée. Vous n'êtes pas servi, vous revenez encore. Mais nous, we will queue for you to save your time, to save your energy. Mm-hmm. Voilà un peu. Et donc, parlez-nous un peu de votre aide. Comment on peut vous contacter maintenant, à part ici au bureau? Vous avez un numéro de téléphone? Oui, les numéros sont sur nos pamphlets. Okay. Nous avons les cartes de service. Nous faisons le marketing là où il y a les Congolais, là où il y a les Nigériens, les Camerounais et tout ça. Ouais. Donc voilà un peu. Les gens nous contactent. Okay, donc je lis ici multi-service, courrier, delivery, document, translation. Vous faites aussi de la traduction? Quand les demandes arrivent, par exemple, les Congolais qui nous amènent les documents qui sont en français. Okay. Et nous devons traduire ça. Oui. C'est pourquoi j'ai les amis qui sont les swan translators, acceptés par l'Afrique du Sud. Je leur donne les documents, ils traduisent et puis nous introduisons. Donc vous êtes, on peut dire, un centre où vous pouvez, si quelqu'un a un problème, que ce soit, disons, des documentations. Je ne pense pas que vous faites aussi Home Affairs. Home Affairs des Sud-Africains, on faisait ça, mais ça dépend des dossiers. J'ai des contacts avec Head Office de Home Affairs, les gens qui font les overstay, les visas, on vous permet plus de rentrer en Afrique du Sud. Okay. J'ai eu le temps de me créer beaucoup de,
Donc quelqu'un qui carnet d'adresse peut régulariser par exemple un visa qui a été expiré ou bien qu'on lui a donné un mass leave avec un passeport, il peut vous contacter pour que vous puissiez lui trouver le waiver. Non, non, on peut l'orienter. On il y a les avocats congolais, parce que mon souci c'est consommer au Congo. Okay. Un Congolais qui a un problème de d'immigration ici ou bien un problème de papier, pourquoi vous devez aller contacter un lawyer zimbabwéen, un lawyer blanc? Nous avons nos Congolais ici qui ont les... je travaille avec le cabinet d'avocats congolais en Afrique du Sud. Okay. Nous les passons les dossiers, et ils nous donnent notre pourcentage et ils, ils traitent votre, votre problème pour que l'argent circule au Congo. Exactement. Même avec les histoires des documents de l'ambassade. Nous ne voulons pas voir les Congolais aller faire les documents dans les cybercafés. Quand ils traversent les frontières, on les arrête. Ça devient encore une charge à la communauté. Bon, ça, là-bas, démarche de niveau Bimisaï. Bon, quand vous posez la question à ces Congolais-là, pourquoi vous allez dans les cybercafés, ils disent que l'ambassade n'a aucun détombe sur les autres. Nous allons y arriver lorsque nous allons parler de l'actualité. Donc, on va revenir sur ça. Nous parlons un peu de votre business pour l'instant. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait, nous avions commencé en 2021. Okay. Mais avec les démarches, on a obtenu, on nous a légalisé en Afrique du Sud. On a trouvé les documents début 2023. Début 2023, donc on peut dire que vous avez maintenant 2 ans en train de... Oui, 2 ans quand l'Afrique du Sud nous a reconnus, mais on peut parler de 4 ans depuis que nous travaillons. Que nous travaillons Voilà, donc si vous avez encore quelque chose à ajouter, je ne sais pas si vous en avez pour dans cet intervalle ici que nous avons pour votre business, donc Covenant Speed Service, CSS. Voilà, alors... je demande à tous les Congolais, consommons Congo, facilitons les business qui sont des Congolais. Le chef d'État lui-même a dit qu'il est là pour préparer les millionnaires congolais, les entrepreneurs congolais. Et nous allons demander aussi à nos chefs qui sont au pays, quand vous venez ici, ça ne sert à rien d'aller loger dans des hôtels là où vous payez des milliers et des milliers de dollars. Vos frères congolais ont des guest houses ici de première classe. On m'avait donné, les gens qui étaient venus ici dans la conférence des BRICS, on les a logés dans nos guest houses en 100 tonnes ici. Dans des prix là, abordables, où il y a la cuisine congolaise. Okay. Voilà un peu, et puis les gens qui viennent se faire soigner ici. Il ne faut pas aller dans les agences où on vous donne une infirmière qui parle l'anglais, vous parlez français. Mais Covenant Speed Services, nous avons nos sœurs qui ont fait le caregiver ici, et qui travaillent pas à temps plein. On peut vous assigner quelqu'un qui va vous suivre, vos médicaments, comment boire, vous accompagner et tout ça. Tout ce qui est, c'est pourquoi nous sommes un service de facilitation. Okay. Nous facilitons tous les francophones et les autres anglophones qui veulent de nos les informations. Vous pouvez maintenant donner votre numéro de téléphone et ceux qui sont au pays. Bon, avant que nous passions à cela, comment vous contactez par exemple les gens qui sont au pays et qui veulent venir ici? J'étais à Kinshasa, l'année passée j'étais à Kinshasa pour aller faire aussi la promotion de l'entreprise et puis faire autre chose que je fais dans la société, on va en parler. Et les publicités passent à Kinshasa dans certaines chaînes. Il y a certains journaux qui écrivent pour nous. Et puis, avec le peu d'influence que Dieu m'a donné, quand je fais les audios, je circule les messages, les gens comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici en Afrique du Sud. Vous avez un website ou... Nous avons un website qui est sur... voilà, même sur nos pancartes, vous allez voir notre website est là. Les gens peuvent nous contacter, mais vous savez, les Congolais ont du mal à aller dans le website. Oui, oui. Alors, nous traitons. De toutes les façons, le email c'est gilbertcongolo2000@gmail.com. Oui. Et puis, le numéro de téléphone 076-854-6427. Je suis en train de lire sur la carte de visite ici. Mais pour ceux qui sont en dehors du pays, ils doivent ajouter 0027. 0027-76-804-6427. C'est ça, je crois. Exactement. Et donc, vous allez les retrouver en bas de la page ici. Et donc, on va se séparer pour cette tranche. Et donc, le mot de la fin, s'il y a une question que nous n'avons pas posée, qui peut venir dans vos têtes, est-ce que vous pouvez... Non, je peux dire à notre communauté, beaucoup d'entre eux, quand ils pensent que vous êtes à 100 tonnes, ils pensent que vous êtes séparés de la communauté. Il fallait mettre là où il y a les Congolais. Non, nous, si nous avons mis ici, c'est parce que nous ne traitons pas seulement les problèmes des Congolais. Nous traitons aussi avec le blanc, avec le sud-africain. Quand vous les amenez dans le milieu où il y a beaucoup de noirs, vous savez, des fois, ils ont peur. Non, je vais parquer où on va briser mon véhicule, histoire comme ça. Donc, nous disons aux Congolais, sécurité. Bon, nous disons aux Congolais, nous sommes ouverts à tous les Congolais. Contactez-nous,
appelez-nous. Et donc, si quelqu'un aussi quitte Yeovil pour venir vous voir ici, c'est qu'il y a du sérieux. Oui, il y a du sérieux. C'est pourquoi nous avons mis aussi une fiche qu'ils doivent remplir. Parce que beaucoup de gens, ils viennent et ils prennent votre temps. Et puis après, vous ne le voyez pas. Okay. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous par WhatsApp, contactez-nous par nos numéros. Quand il y a urgence, appelez-nous. Est-ce que quelqu'un peut vous envoyer, vous appeler et vous lui envoyer la fiche? Oui, on peut le faire électroniquement. Ceux qui sont à Cape Town, ceux qui sont à Durban, ils ne viennent pas ici. Okay. Ils nous contactent électroniquement, on envoie la fiche, vous remplissez la fiche, vous nous scannez vos photos, les documents que l'ambassade, soit des États-Unis a besoin, ou bien le Congo a besoin, Tanzanie, tout ça, Cameroun, vous voyez, vous envoyez tout ça, nous traitons cela, et c'est fini, vous payez. Quand votre document est là, on vous dit, votre document est là, on vous livre ça. Vous dites par exemple à la maison, on vous charge les frais de livraison. Ou bien vous dites, envoyez par nos moyens ici, ça peut être PEP, ça peut être PostNet, ça peut être en dehors du pays, nous utilisons le DHL, oui. Voilà, nous utilisons DHL, nous utilisons UPS, voilà. Il y en a, ils sont beaucoup ces gens-là. Voilà. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc là nous sommes arrivés à la fin de cette émission, cette tranche que nous avions consacrée. Sans oublier, nous organisons aussi les retours au pays. Quelqu'un qui veut retourner au pays, exactement. Il a des problèmes. Il a des problèmes de papier, on ne peut pas le faire passer à l'aéroport. Comment ça va se passer? Nous allons vous faciliter. Vous voulez rentrer au pays, vous avez quelqu'un qui est malade qui veut rentrer, nous allons le faire sans problème. Voilà. Donc, c'est par là que nous allons terminer. Donc, on va se retrouver encore très prochainement avec les preuves à l'appui, avec des témoignages des gens qui ont déjà fait cette expérience avec Gilbert Kongolo. Nous sommes un média, donc nous allons nous débrouiller pour trouver ces témoignages-là. Ou si vous pouvez nous donner certaines personnes que nous pouvons contacter à part vous, pour essayer un peu, vous pouvez contacter les collaborateurs, les gens de l'ambassade qui savent que je fais ce service-là. Vous pouvez contacter M. Désiré, qui est mon assistant quand je ne suis pas là, M. Victor Kakese, quand je ne suis pas là. À l'ambassade, on peut retrouver aussi vos coordonnées là-bas. Vous retrouvez, tout le monde me connaît là-bas. J'étais allé à Kinshasa pour l'accréditation, pour les services des consulaires que nous pouvons livrer. Pour nos là où il n'y a pas de consul, je suis venu avec le conseil des ministres Lutundu la sortant. Il m'a dit, bon, vous pouvez continuer. Je viens, j'explique à l'ambassadeur et à ses conseillers là-bas. Et ils m'ont dit que c'est un bon service, vous pouvez le faire pour faciliter les Congolais. C'est un service qui aide les Congolais. Ce n'est pas simplement... C'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent, c'est vraiment... Moi, quand je vois ce que tous les services, l'interprétation, tourisme, visa... Et le visa de tourisme, là, c'est pour le Congo. Les Sud-Africains qui veulent aller au Congo. Ah, okay. On leur trouve le visa. Oui. Ceux qui veulent aller aux États-Unis dans les conférences, on organise aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, on va se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.